Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je dis bonjour pour mes amis d'Haïti. Bon, je pense quand même que là-bas, actuellement, c'est déjà l'après-midi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. J'ai eu un retard de 10 minutes. Il y avait des problèmes de connexion. Vous savez, c'est la réalité de l'Afrique. Très souvent, les problèmes de connexion. Échanger ensemble, que je puisse nous apporter mes connaissances comme d'habitude. Comme tous les vendredis, ça fait près de 2 mois. Ça fait 1 mois que nous travaillons tous les vendredis à 18h GMT. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a été. J'espère que la semaine a été, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème intéressant. Nous allons parler des gommages corporels. J'avais fait un post un jour. Je dis, il y a de cela quelques mois dans ma page, pas ma page, mon groupe, dans le groupe Facebook. Pour tous ceux qui sont dans le groupe Facebook et qui sont là depuis longtemps, vous avez sûrement vu ce post, dans lequel je disais que je vais vous donner la formule du gommage, vous montrer comment fabriquer votre gommage. Tout le monde doit avoir un gommage chez lui, tout le monde doit se gommer le corps, tout le monde doit avoir une peau belle, une peau lisse et l'entretenir. Donc c'est le but de ce live. Ce live, nous allons passer 1 heure ensemble. Nous allons attendre encore un peu, le temps que vous me dites. Comment vous vous sentez, comment vous allez, comment a été la semaine, quelles ont été vos réactions, quelles ont été je veux dire quoi, vos réalisations durant cette semaine. La semaine dernière, c'est vrai que nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas fait, je n'ai pas fait de live, tout simplement parce que j'étais dans l'incapacité. Bon, pas dans l'incapacité, j'étais pas très en forme. Moi, j'aime le faire lorsque je suis vraiment en forme, j'étais pas très en forme. Donc, du coup, c'est pour ça que nous n'avons pas fait. Mais là, maintenant, c'est la pleine forme. Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme et tout va très bien. Donc, j'espère que vous allez bien de votre côté. Si vous avez des carnets ou bien un papier, un format pour prendre des notes, ce serait super. Ce serait super. Maintenant, je vais commencer à ouvrir mes lives, donc c'est-à-dire me faire intervenir des gens. Si jamais des gens veulent intervenir pour apporter aussi leurs connaissances, parce que le but, c'est le partage. Je n'ai pas la science infuse. Et donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup peuvent apporter. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient partager leurs connaissances, mais qu'ils me signifient, qu'ils me disent comment est-ce qu'ils se gomment, quels sont les types de gommages qu'ils utilisent? Pardon. Quels sont les types de gommages qu'ils utilisent? Ou bien, s'ils veulent partager tout simplement l'expérience de la cosmétique via le thème d'aujourd'hui, je suis tout oui, sans problème. Je partage juste un lien et puis la personne rejoint le live. Donc nous allons travailler. Dans le travail, je vois qu'il n'y a pas assez de monde. Actuellement, est-ce que vous m'entendez déjà très bien? J'espère que vous m'entendez très bien parce que le réseau dérange, a vraiment été perturbant tout à l'heure. J'ai dû m'appuyer sur mon petit génie qui se cache un peu au fond de mon cerveau, le petit génie informatique qui se cache derrière, un peu derrière mon cerveau là, pour pouvoir pallier à ce souci afin de vous apporter la meilleure expérience. Donc, nous allons voir comment fabriquer le gommage. Avant ça, je vais d'abord vous donner un conseil. Je tenais à vous donner un conseil.
lorsque vous vous lancez dans la cosmétique, lorsque vous formez dans la cosmétique, j'espère que tout le monde me suit, hein, lorsque vous formez dans la cosmétique ou bien lorsque vous engagez dans la cosmétique, ayez l'esprit de recherche. Ayez l'esprit de recherche, c'est très important. Toutes les connaissances que j'ai acquises jusqu'ici ne sont pas seulement le fruit des formations. Je me suis formé par plusieurs personnes, j'ai eu plusieurs formateurs en cosmétique. Mais toutes ces cette expérience ou bien toutes ces connaissances ne sont pas sorties d'une formation ou bien sorties de la connaissance d'autres personnes. Non, j'ai eu à faire des recherches, des expérimentations. Le cosmétologue est celui-là qui fait des recherches. Le cosmétologue, c'est celui-là qui teste des recettes, qui teste ça et là. Parce que j'ai remarqué que beaucoup n'aiment pas tester, beaucoup n'aiment pas faire les tests. Tout passe par votre imagination. Vous n'avez pas de l'imagination. La cosmétique, je dis toujours, la cosmétique, c'est un peu comme la cuisine. Tous les mets que vous mangez, ou bien tous les plats que vous mangez, sont des inventions des autres. Même tous les produits cosmétiques que l'on fabrique, que l'on connaît aujourd'hui, sont les inventions des autres. Donc, il y a des gens qui ont pensé, ils ont testé, ils ont essayé, et ça a marché. Même les médicaments qu'on utilise, c'est des tests, c'est des essais. Vous avez vu la COVID-19. La COVID-19 est arrivée, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médicaments. Or, il existe des comment on les appelle, des médecins, des analystes, des épidémiologistes et tout ça. Mais ils ne connaissaient pas la maladie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recherches, ils ont essayé de tester. Ils ont fini par sortir le vaccin. C'est un peu comme ça qu'un cosmétologue doit se comporter. Vous ne devez pas être... vous ne devez pas suivre le sens du vent. Vous ne devez pas forcément suivre le sens du vent. Vous devez apporter votre expertise. Vous devez pouvoir créer vos propres produits. Vous devez apporter quelque chose de plus à ce qu'on vous donne. Parce que j'ai remarqué que, certaines personnes, même avec les connaissances, n'arrivent pas à faire les choses basiques. Donc, il faut vraiment apporter du vôtre. Dans tout ce que vous faites, apporter du vôtre. Essayez de créer, d'apporter quelque chose de fantastique. Et vous verrez que les gens vont adhérer. N'ayez pas peur d'essayer. Vous essayez, vous échouez. Moi, j'ai eu à créer plusieurs... les produits même que j'ai été formé. J'ai même été formé pour fabriquer certains produits. Et j'ai eu à les fabriquer après la formation, mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai laissé. J'ai continué, mené des expériences, etc. et sorti des produits même qui ne sont même pas connus, que j'utilise pour moi-même ou bien j'utilise pour ma famille. Donc, c'est autant de choses. Faites des tests, essayez ça et là. Essayez ça et là et proposez. C'est tout simplement magnifique. C'est un peu comme la cuisine, comme je le disais. On fait des plats, on fait des mets. Vous ne savez pas d'où ça sort. Ça sort de l'intelligence de quelqu'un. Ça sort de l'imagination de quelqu'un. Donc, soyez imaginatif et imaginative. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Lorsque vous avez une formation, ne soyez pas focus sur la formation. Essayez de tirer profit et apporter votre touche personnelle. Apportez votre touche personnelle. Donc, nous allons commencer. On ne va pas attendre tout le monde. Moi, je ne veux pas attendre tout le monde. j'ai fait l'effort de communiquer le live au maximum de personnes. Ce que je vous demandais, c'est de liker la vidéo, liker le live, partager le live, liker le live au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier, tout le monde puisse profiter du live d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer le gommage corporel. C'est ceux qui vont suivre ce live aujourd'hui qui vont vraiment bénéficier de tout ça. J'espère que vous me suivez et que je suis bien audible. Nous allons commencer tout de suite. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que le gommage, vous devez d'abord comprendre le corps. C'est important. Avant d'utiliser le gommage, vous devez comprendre le corps. Le corps humain est très fantastique. C'est un organe magnifique. J'avais posté il y a de cela quelques jours. J'avais fait un post dans mon groupe Facebook dans lequel je disais qu'on n'a pas besoin de se gommer. Et c'est vrai, on n'a pas besoin de se gommer. Tout simplement parce que le corps le fait lui-même. Le gommage, c'est tout simplement le nettoyage des peaux mortes sur notre peau. C'est tout ça le gommage.
C'est tout ça le gommage. Maintenant, le corps le fait. Le corps le fait naturellement toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, le corps enlève, le corps se débarrasse de des cellules cutanées qui sont déjà vieilles ou bien qui sont déjà moisies. Il les rejette. Le gommage, maintenant, lui, il vient juste ramasser ça et balancer ça. Nettoyer ça, la peau, nettoyer la peau et libérer les pores tout simplement. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de gommage. Le gommage, c'est juste un entretien de la peau. Mais c'est pas pour autant, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas se gommer, parce que le rôle du gommage, c'est juste de nettoyer la peau, donc enlever les peaux mortes qui peuvent boucher les pores. Et le gommage ne se fait pas tout le temps. Je vois des gens qui disent je me gomme chaque semaine, je me gomme tous les jours, je me gomme tous les 3 jours. Non, non, le gommage se fait de façon vraiment très, très, très régulière, mais en respectant un certain nombre de délais. Le gommage se fait généralement, moi, ce que je conseille, c'est par mois de vous gommer maximum 2 à 3 fois. C'est amplement suffisant. Maximum 2 à 3 fois, c'est amplement suffisant. Parce que lorsque vous gommez chaque semaine, ou bien lorsque vous gommez tous les 2 jours, tous les 3 jours, comme j'entends souvent certaines personnes dire, ou bien certaines femmes dire, vraiment, c'est juste pour vous agresser la peau. Et lorsque vous agressez la peau comme ça, vous faites pénétrer vous rendez votre peau fragile. Ça fait en sorte que le rôle de protection que votre peau normalement doit avoir est fini par ne pas l'avoir. Vous remarquez souvent certaines personnes qui ont la peau rouge. La peau est rouge. Bon, ça peut être dû aussi à qu'elle soit claire de peau, bien qu'elle soit noire, ou bien qu'elle soit un teint clair. Vous considérez que la peau est rouge, tout simplement parce que la peau est agressée. La peau est agressée par le gommage. Maintenant, il faut distinguer les différents types de gommages. Nous avons les gommages chimiques, nous avons les gommages naturels. Les gommages chimiques sont, comme le nom l'indique, issus des produits chimiques. Et les gommages naturels sont des produits naturels, comme par exemple le son de riz, comme par exemple le son de blé, comme par exemple la poudre de café, comme par exemple la poudre de café moulu, comme par exemple, je peux dire quoi, la coquille d'œuf. On peut aussi avoir comme gommage la poudre d'abricot. Voilà autant de gommages naturels. Maintenant, nous avons les gommages chimiques qui sont très importants lorsque vous fabriquez un produit avec des actifs. Parce que le gommage chimique, lui, il va permettre au produit de pénétrer dans la peau. Parce que la peau est un organe, la peau est un organe du corps. Et lorsqu'il y a des éléments étrangers qui veulent y entrer, elle réagit. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est un organe comme tant d'autres. Et c'est ça la fonction du corps. Donc, lorsqu'il sent un élément étranger qui veut entrer, il agit. Maintenant, pour que ce produit puisse entrer, on utilise les exfoliants chimiques qu'on appelle par exemple les AHA ou bien encore les BHA, l'acide glycolique, l'acide mandélique, etc. que vous connaissez très bien. Donc, voilà deux types de gommages, les gommages chimiques et les gommages naturels. Maintenant, il existe plusieurs formes de gommages. Nous avons les gommages en masque, nous avons les gommages en crème, nous avons les gommages en démaquillant même. Nous avons les gommages en gel, etc. Il existe plusieurs types de gommages. Moi, j'ai déjà vu les gommages, je ne sais pas si vous connaissez les gommages en gel, qui sont comme un peu les gels pour cheveux, avec des poudres comme la poudre de coquille d'œuf, ou bien la poudre ou bien le son de blé, ou bien avec encore le son de riz, etc. Ou bien vous avez encore les gommages sous forme de crème que vous appliquez juste sur le visage ou bien sur tout le corps, et puis vous lavez. Vous avez le gommage sous forme de pommade, c'est une crème, mais sous forme de pommade, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans un tube, voilà, c'est ça que je cherchais. Dans un tube qui est dans un tube et que vous appliquez. Généralement, ce sont les gommages qui s'appliquent sur le visage. Maintenant, il y a les gommages spécifiques. Le gommage qui s'applique sur le visage, il y a le gommage qui s'applique sur le corps, il y a le gommage qui s'applique sur les parties rugueuses, le gommage qui s'applique sur les pieds, sur les mains, etc. Parce que le type de peau n'est pas le même sur tout l'ensemble du corps.
Après avoir dit ça, j'aimerais vous dire aussi quelque chose. Faites très attention à ce que vous voyez partout sur Internet ou bien ce que les gens disent. Il y a les parties du corps que c'est très dangereux de gommer. On ne gomme pas le contour des yeux. Ça ne se fait pas. On ne gomme pas les cernes. On ne gomme pas les lèvres. Les cernes d'abord sont la partie cernée, c'est-à-dire cette partie-ci. Cette partie-ci, c'est la partie la plus délicate du corps. Donc, venir gommer, ça, c'est l'agresser. C'est pour ça que je vous donne ceux qui ont déjà eu à faire ça, parce que j'entends des choses vraiment, vraiment terribles. Ceux qui ont déjà eu à faire ça vont constater que le lendemain, les yeux sont noirs. Le contour des yeux, dont les cernes deviennent noires. Tout simplement parce que vous avez agressé la peau. La peau, elle va être très fragile. Dit qu'il faut gommer les lèvres. C'est très dangereux de gommer les lèvres parce que d'abord, les lèvres ont un problème d'hydratation. Donc, quand vous venez gommer les lèvres, c'est encore les abîmer. Donc, faites très, très attention. En gommant les lèvres, même les lèvres peuvent devenir encore plus sombres parce que la peau réagit à cet effet néfaste. On ne gomme pas les lèvres. On gomme le reste de la partie du corps, ce que vous voulez, tout le visage, les oreilles, les coudes, le cou. Le corps en général, mais faites très attention sur les lèvres et sur les cernes. On ne les gomme, on ne gomme pas ces parties-là. On ne gomme pas ces parties-là, donc faites très attention. Voilà, j'espère que, ça va jusqu'ici. Que ça va jusqu'ici. Que sur audible, hein. J'espère que vous me suivez très bien. Voilà. La première des choses que vous devez savoir, bon, là maintenant nous allons entrer dans le vif. Nous allons entrer dans le vif. Je vais vous dire comment fabriquer les gommages. Maintenant, nous allons aller. On va aller très vite. S'il n'y a pas de réaction, on va aller très vite. Et à la fin, je vais vous donner pour tous ceux qui m'ont suivi, je vais vous donner une formule que vous pourrez utiliser pour fabriquer n'importe quel gommage. Maintenant, il y a les formes de gommage. Parler des formes de gommage, il y a les gommages hydratants, il y a les gommages éclaircissants, il y a les gommages revitalisants, il y a les gommages. Pieds abîmés, il y a les gommages pieds secs, il y a les gommages, je disais, hydratants. Donc, tout dépend de ce que vous voulez apporter à votre client ou bien tout dépend de ce que vous voulez apporter à votre produit. C'est ça. Donc, les gommages éclaircissants, les gommages hydratants, les gommages revitalisants, les gommages pieds abîmés, les gommages mains abîmées, etc. Je voudrais donner les formes de gommages. Il y a les gommages masques, les gommages crème, il y a les gommages pour le corps, il y a le gommage pour le visage, etc. Pour coude, même pour main. Mais évitez les gommages pour les lèvres et le contour des yeux. Vous avez le contour des yeux noir, c'est tout simplement soit vous êtes cerné, soit vous avez utilisé les mauvais produits, vous vous rapprochez d'un spécialiste. Bien, ça peut être un problème dermatologique. Vous rapprochez d'un dermatologue et vous réglez le problème. Ne partez pas mettre un gommage ou bien appliquer une lotion là-bas pour la rendre claire. Vous risquez de perdre votre contour des yeux. Faites très, très attention. Je vous donne un secret. Si vous avez les cernes ou bien le problème, les contours des yeux noirs, vous prenez de l'huile de carotte, vous appliquez là chaque nuit et puis ils vont tout simplement, la pigmentation va diminuer, ils vont éclaircir. Ils vont éclaircir, ça va nettoyer le noir là petit à petit. Il y a les gens qui ont les cernes naturelles hein, là, au contour des yeux là est noir naturellement. Donc, voilà ce qui est des différents types de gommages. Maintenant, nous allons voir comment fabriquer le gommage. Les gommages les plus récurrents, c'est les gommages sous forme de crème. Aujourd'hui, nous avons les gommages sous forme de crème. Donc, d'abord, je vais vous donner le premier type de gommage, gommage sous forme de gel. On va voir les gommages sous forme de gel.
Les gommages sous forme de gel, ça se fait comment? Comment ça se fait? Quand vous le faites de deux manières. La première manière, c'est si vous connaissez fabriquer un gel, que ce soit un gel pour cheveux, que ce soit un gel de douche. Je peux faire un gel de douche, mais vous le rendez vraiment épais. Et à côté, vous avez un gommage naturel. Le gel de douche va s'appeler, le gel de douche généralement, c'est un liquide ou bien un émollient que vous allez mélanger avec votre gommage naturel pour l'appliquer. Je répète, il y a plusieurs types de gommage. Nous allons d'abord commencer par les gommages sous forme de gel. Les gommages sous forme de gel, c'est tout simplement les gommages qui sont faits généralement soit ensemble, soit séparément des gommages naturels. Vous avez par exemple un son de riz. Le son de riz, c'est justement le riz écrasé en tout petit, en poudre. Le riz écrasé en poudre. Vous faites un gel à côté. Vous faites un gel comme un gel de douche, mais vous le rendez un peu épais. Ce que vous faites, c'est que, je suis sûr que vous avez vu ce type de gommage-là. Vous prenez, on l'utilise comment? Vous prenez un bol dans lequel vous allez mettre le gel en question que vous avez fabriqué, qu'on appelle émollient généralement. Vous prenez, vous mettez une petite quantité, et vous mettez aussi une petite quantité de son. Ça peut être le son de blé, ça peut être le son de riz, ça peut être le mil, ça peut être le café, ça peut être ce que vous voulez. Tout ce qui est gourmand, ça peut être de la coquille d'œuf. Vous mélangez et vous appliquez sur le corps. En appliquant sur le corps, ce n'est pas pour vous blesser. Vous appliquez juste légèrement. Ce n'est pas parce que vous frottez fort que le gommage s'applique. Le gommage enlève les peaux mortes que vous ne voyez pas, parce que les peaux mortes sont invisibles à l'œil nu. Ça enlève juste les peaux mortes. Donc, vous appliquez juste et vous vous lavez, vous vous rincez. Tout simplement. Voilà les types de gommage gel. Donc, vous le faites comme un gel de douche. Tout simplement, comme un gel de douche. Vous le mélangez avec. Vous pouvez aussi le faire comme un gel pour cheveux. Vous le faites comme un gel pour cheveux et vous ajoutez tout simplement directement. Vous ajoutez directement, je vais dire quoi? Directement la poudre. Que ce soit la poudre d'abricot, que ce soit la poudre de son de riz, que ce soit la poudre de coquille d'œuf. Déjà, même que vous avez des gels de douche gommants. Il y a des gels de douche gommants de nos jours. Donc, les gels de douche qui ont les propriétés qui ont les petits poudres à l'intérieur, ça fait en sorte que lorsque vous lavez, ça fait un deux en un. Lorsque vous lavez, vous appliquez directement et vous gommez. Mais le défaut avec ce type de gel de douche que je ne conseille généralement pas toujours, c'est que ce type de gel de douche vous contraint à vous gommer tout le temps et ce qui n'est pas bien pour votre peau, pour la santé de votre peau. Parce que plus vous gommez, plus vous êtes vulnérable, plus vous êtes très propre, plus vous êtes vulnérable. Même les médecins le disent, la peau doit avoir un certain nombre de bactéries pour son bon fonctionnement. Si vous êtes trop propre, vous aurez aussi des gros soucis. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, nous avons les gommages. Les gommages sous forme de masque. Les gommages sous forme de masque, c'est tout simplement les gommages qui ont un effet mat. Les gommages qui ont un effet mat, généralement, c'est les gommages qui ont peut-être de l'argile à l'intérieur, mais le gommage, peut-être, c'est les gommages qui ont des cristaux de menthe à l'intérieur. Donc, c'est un gommage qui va venir vous apporter l'effet matifiant, qui va venir apporter l'effet astringent. Vous voyez souvent dans les salons de coiffure, vous finissez, par exemple, de vous laver les cheveux, de vous coiffer, on vous met. Moi, je parle des hommes, hein, généralement. On vous fait un soin de visage, on pose un gommage qui reste sur le visage. C'est ça, le gommage masque. Gommage masque. Pour le fabriquer, c'est très simple. Mais généralement, c'est fait naturellement, hein, avec du citron, de l'argile, de l'œuf, du jaune d'œuf, ou bien avec un émulsifiant. Et vous avez mis un émulsifiant, vous mettez même, vous avez l'émulsifiant, vous mettez vous faites une vous mettez une hydratation. Après l'hydratation, maintenant vous mettez, après le mettant, pardon, vous mettez un émulsifiant, vous mettez peut-être la nanette, vous ajoutez, après la nanette, vous ajoutez
de la glycérine ou bien du sorbitol, vous ajoutez, et puis vous mettez une huile légère, pour mettre une huile de tournesol, ou bien vous mettez tout simplement l'huile d'olive, et vous ajoutez votre poudre d'argile, tout simplement, et vous gommez. Donc, ajoute aussi l'oxyde de zinc, vous ajoutez de l'oxyde de zinc, et vous gommez, tout simplement, et après, vous lavez le visage, tout simplement. Après ça, maintenant, nous allons voir les gommages. On va voir les gommages sous forme de crème. Voilà, les gommages sous forme de crème, ce sont les gommages que l'on utilise plus. C'est les gommages qui sont à la mode aujourd'hui. Nous avons tout type. Il y a des gommages avec des couleurs, des gommages qui ont des couleurs. Je vois souvent les gommages qui sont roses, violets. Rouge, jaune, etc. Donc, bon, là maintenant, je ne suis pas en train. Nous sommes en train de parler du gommage de façon générale. Je ne parle pas de gommage éclaircissant ou quoi que ce soit. Moi, je parle du gommage classique. À la fin du live, je vais vous donner la formule du gommage éclaircissant. Je vais vous donner la formule du gommage en lui-même. Maintenant, à partir de là, vous pourrez ajouter éclaircissant sans problème. Vous pourrez ajouter les intrants éclaircissants sans problème. Donc, voilà. J'espère que c'est bon jusqu'ici. Dites-moi en commentaire. Laissez un like. Dites-moi en commentaire. On fait une petite pause. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez, si vous me suivez, parce que depuis la personne a agi. À part Jocelyne crie. Donc, dites-moi en commentaire si je suis audible, si la connexion est fluide. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de silence, là, j'ai l'impression que c'est pas fluide. Et j'aimerais savoir depuis quelle ville vient, depuis quel pays vous me suivez. Vous me suivez depuis quel pays? Me suivez depuis quel pays? Haïti, moi, salut mes abonnés d'Haïti, ceux qui me suivent depuis Haïti. Salut mes abonnés d'Afrique, notamment du Congo, RDC, Congo Brazza, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Bénin. Mes amis du Mali, je ne les sens plus trop. Je les sens vraiment un peu trop. Pourtant, les Maliens, actuellement, c'est les héros d'Afrique. Hein. C'est les héros d'Afrique, vraiment, avec ce qu'ils font. Ils sont très braves. Les amis du Burkina, je ne les sens plus. Donc, dites-moi en commentaire depuis où vous me suivez. Depuis quel pays vous me suivez. Et puis, on commence les choses sérieuses. Là, c'était le B.A.B.A. Vraiment, c'était le plus basique possible. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Si vous avez des questions, vous les posez. J'espère que vous me suivez très bien. Dites-moi depuis où vous me suivez. Likez le live afin de pouvoir partager au maximum de personnes ce que nous allons faire. Ce que nous faisons ici actuellement, likez le live.
Ok, s'il n'y a pas de questions, s'il y a pas de suggestions, je vais poursuivre. Déjà, je vais vous communiquer, je vais vous partager mon, vous partager la formule, vous partager la formule tout de suite. Comme ça, nous allons discuter là-dessus. Moi, je préfère qu'on décortique à partir de la formule pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que ça ne sert à rien de vous balancer la formule comme ça, et puis vous allez vous perdre, ou bien chacun vient dans mon inbox, commence à me poser des questions, poser des questions, poser des questions. Non, vraiment, je préfère que non, je vous partage la formule, on détaille ça. On détaille ça tout de suite. Voilà. Vraiment, tant pour ceux qui ne seront pas là, mais ils ne comprendront pas les explications. Je vous partage ça tout de suite. Je vous partage ça dans la barre de commentaires. Bon, pour mes élèves, ils connaissent déjà comment le faire, hein, je suppose, parce que on a travaillé là-dessus. Mes élèves qui suivent ma formation, ils savent forcément comment le faire. Donc, je vous le partage tout de suite. Voilà. C'est maintenant que la vraie masterclass commence. Voilà, nous ne pouvons pas voir tous les types de gommage ici. C'est pour ça que j'ai briefé. J'ai briefé. Et maintenant, je vais vous donner. Nous allons travailler sur la formule que l'on utilise généralement. La formule qu'on utilise généralement. Voilà, je vous partage ça tout de suite dans le chat, pour que tout le monde puisse bénéficier. Maintenant, ceux qui ne vont pas suivre ça en direct ne pourront pas. Bénéficier. Bon, je vais balancer ça. Voilà. Ok, Mélissa. Super. Depuis le Cameroun. Super. Voilà. Nous allons travailler sur le gommage. Bon, je vais masquer ça. Je vais masquer. Voilà. OK. Bon, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le gommage se fait comme le lait. Le gommage a trois phases. Il y a la phase eau. Il y a la phase huile, il y a la phase de refroidissement. Voilà les trois phases. Donc, lorsque vous faites votre gommage, vous devez tenir compte de ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait le lait aussi. Les laits ont trois phases. Phase eau, phase huile, phase de refroidissement. Maintenant, le gommage, son rôle, c'est d'apporter l'hydratation et de venir enlever les cellules mortes sur la peau. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, maintenant, vous voyez ici, avec la formule que vous avez donnée, vous voyez que la phase O, vous avez besoin de l'eau. Ici, l'eau est considérée comme quoi? L'eau ici est le solvant. C'est le solvant, donc c'est le principal élément, ou bien c'est la principale, c'est le principal intrant que vous allez utiliser pour fabriquer votre gommage. Il est à 60%. Vous allez noter que la formule, les formules que moi je donne, les formules que je formule, ça fait un peu une tautologie. Les formules que je fais généralement, je fais en sorte qu'ils tournent autour de 100%. Parce que pour qu'il y ait une harmonie chimique et atomique, il faudrait que ça tourne autour de 100%. Vous voyez ici, l'eau, c'est 60%. Après, pour la phase O, donc lorsque vous êtes à la phase O, nous entamons la phase O. Après, vous allez utiliser ce qu'on appelle le lactate de sodium. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi la glycérine. Lactate de sodium est un humectant, tout simplement. Tout comme la glycérine, tout simplement. Donc, vous allez tout simplement, vous allez acheter, que ce soit en ligne, sur Alibaba, ou bien sur AliExpress, ou bien sur Eurocosmetics, sans publicité. Vous achetez vos matières premières, où vous voulez, vous demandez du lactate de sodium, vous pouvez utiliser la glycérine, vous pouvez utiliser n'importe quel humectant, vous pouvez utiliser aussi le sorbitol, vous pouvez utiliser de l'urée, vous utilisez tout ce que vous voulez, la glycérine végétale si vous voulez, etc. Utilisez tout ce que vous voulez comme humectant. Mais ici, pourquoi l'humectant entre? L'humectant parce qu'il va apporter de l'humidité. Lorsque vous faites un produit cosmétique, vous devez mettre un humectant afin que le produit puisse être agréable à la peau. C'est ça le rôle, agréable à l'application sur la peau. C'est ça le rôle de l'humectant. Parce que si vous ne mettez pas l'humectant, ce ne sera pas vraiment agréable, le produit pourrait peut-être chauffer. Quand je dis chauffer, ce n'est pas brûler. Ce ne sera pas agréable du tout. Voilà. Donc, la troisième chose que vous ajoutez, c'est un AHA. AHA intervient ici. Pourquoi? Là-bas, AHA, je vous ai dit tout à l'heure que le HAA, vous avez dit tout à l'heure que le AHA fait partie des exfoliants chimiques. Le AHA, c'est la matière première qui va permettre, ou bien c'est la famille de matières premières, parce que les AHA, c'est un ensemble de matières premières qui va permettre de pouvoir faire pénétrer les intrants que vous allez mettre dans votre gommage, tout simplement. Donc, lorsque vous avez mis l'eau, vous avez mis le lactate de sodium, bien la glycérine, l'humectant que vous voudrez, et que vous avez mis l'AHA que vous recommandez, c'est l'acide glycolique. Ou bien pour ceux qui souffrent des boutons, par exemple, vous mettez l'acide mandélique. C'est excellent pour les boutons. Vous pouvez mettre l'acide mandélique, vous pouvez mettre l'acide glycolique, etc. Ce que vous voulez, vous pouvez même mettre des acides de fruits, ce que vous voulez. Bon, maintenant, dès que vous avez mis HA au niveau de la phase O, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre un récipient à bain-marie, vous prenez un récipient à bain-marie, vous le mettez à bain-marie, vous ajoutez de l'eau, vous ajoutez votre humectant, vous ajoutez votre lactate de sodium et vous le mélangez. Vous le faites chauffer à 70 degrés. 70 degrés. Lorsqu'il atteint 70 degrés, vous l'enlevez, vous le déposez, vous le mettez à côté. La deuxième chose, c'est la phase huile. Vous préparez donc votre phase huile. Vous devez peser différents intrants. 60%. Je mets le pourcentage. Pourquoi? Parce qu'à partir de la quantité que vous voudrez, vous pourrez fabriquer votre gommage. Parce que si je dis, par exemple, vous mettez l'eau de 60 grammes, vous mettez l'humectant de 2 grammes, vous mettez ceci de 2 grammes, ça fera en sorte que vous serez bloqué sur les quantités que je vous ai données. Or, avec le pourcentage, même si vous voulez produire 1000 grammes de gommage, vous savez que pour 1000 grammes de gommage, j'ai besoin de 60% d'eau, j'ai besoin de 2% de lactate de sodium, j'ai besoin de 2% de AHA, par exemple. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de préparer votre phase. J'espère que je suis compréhensible. Vous devez préparer votre phase huile. La phase huile, tout simplement, c'est, comme son nom l'indique, c'est pour mélanger les huiles. Vous savez que l'eau et l'huile ne vont pas ensemble, c'est pour ça qu'ils sont faits séparément pour qu'il y ait un bon mélange harmonieux. Voilà où la magie s'opère, donc nous allons entrer. La phase huile, vous avez 8% d'huile.
l'huile que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre l'huile dédiée, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de tapis, l'huile de nigel, ce que vous voulez, l'huile que vous voulez. Vous mettez l'huile que vous voulez. Et puis vous mettez 15% de beurre de karité. Si vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quel beurre. Ça, c'est dans la logique d'un gommage hydratant. Vous mettez 15% de beurre de karité. Vous voyez que le beurre de karité est élevé ici. Pourquoi? Parce que ce qu'on va apporter, c'est de l'hydratation. C'est très important. C'est de l'hydratation qu'on va apporter. Comme ça, qu'on met 15% de beurre de karité. Après le beurre de karité, vous ajoutez un émulsifiant. L'émulsifiant ici a un rôle majeur. L'émulsifiant ici il va permettre la cohésion de l'eau et de l'huile. C'est ça le rôle de l'émulsifiant. L'émulsifiant permet de faire en sorte que les deux marchent. Si vous prenez votre marmite, vous prenez marmite, je m'adresse souvent aux femmes, vous prenez vos marmite, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'huile, vous faites chauffer, vous allez voir que ce sera la catastrophe. Ça ne va pas donner ensemble. L'émulsifiant, son rôle, c'est de quoi? C'est de dire, bon, ok, l'huile et l'eau, vous nous associez, vous ne pouvez pas vous associer. Ok, mais pourtant, vous allez apporter une merveille à ce gommage. Vous devez vous associer. Ce que je fais, c'est que je vous lie et je vous conserve. Donc, l'humidifiant, c'est pour ça que l'humidifiant, ils sont appelés stabilisateurs. La plupart des humidifiants sont appelés. L'humidifiant, c'est stabilisateur en fait. Donc, il permet la cohésion des deux. Donc, il stabilise les. Je vais dire quoi? Chez nous, on appelle ça. Il stabilise les réactions chimiques ou bien les jonctions moléculaires des deux éléments chimiques, que ce soit l'eau et les huiles. Donc l'émulsifiant ici, ça peut être l'alanex, ça peut être les wax, ça peut être les wax, ça peut être l'émulsifiant, la scie émulsifiante, ça peut être le BTMS, ça peut être ce que vous voulez. Mais l'émulsifiant que je recommande ici, c'est soit la scie émulsifiante, soit l'alanette, soit les wax. Mais évitez les émulsifiants capillaires. Évitez les émulsifiants capillaires comme le BTMS, etc. Donc, vous pouvez utiliser, même vous pouvez utiliser n'importe quel émulsifiant, ça fait le rôle. Ça dépend de ce que vous voulez apporter. Comme je disais ici, vous devez être des mercenaires, vous devez être des gens. Vous devez être des gens qui apportent quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à faire des expériences. Pardon. Pardon. N'hésitez pas à faire des expériences et apporter votre touche personnelle. Il n'y a pas de limite à dire non, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas tel émulsifiant. Est-ce que je peux utiliser ça? Vous utilisez l'émulsifiant que vous voulez. Maintenant, je recommande les wax, la nanette ou la scie émulsifiante que vous pouvez utiliser très bien. Après, vous ajoutez l'alcool céthylique. L'alcool céthylique, c'est quoi ici? Beaucoup de gens ne connaissent pas parce que beaucoup de gens confondent. L'alcool céthylique ici, c'est un épaississant. Mais, comme il y a une étudiante qui m'avait demandé pourquoi on utilise l'alcool céthylique alors qu'on pouvait utiliser l'acide stéarique. L'alcool céthylique, tout simplement parce que l'alcool céthylique a un effet tensioactif. L'alcool céthylique a un effet tensioactif. C'est pour ça que quand vous utilisez l'alcool céthylique, vous allez remarquer que ça mousse souvent. Quand vous le mettez dans le lait, vous remarquez que ça mousse souvent. Et quand vous allez faire ce type de gommage, vous allez l'appliquer sur le corps, vous allez constater qu'il mousse souvent. Le but ici n'est pas que le gommage vous lave ou bien le gommage ait un effet tensioactif. Non, ou bien le savon, ou bien le gel de douche, non. Parce que le gommage, même après le gommage, on se lave. Après le gommage, on se lave. Donc vous gommez, puis vous lavez. C'est comme ça. Vous gommez, puis vous lavez le corps. Mais l'alcool céthylique ici est adapté parce que c'est un épaissant qui est doux et il a peu de propriétés tensioactives. C'est comme ça que vous allez utiliser l'alcool céthylique. Donc, vous prenez l'alcool céthylique, vous le mélangez. Vous mélangez ça et déjà votre phase eau est à côté en train de refroidir. Votre phase eau, je rappelle, qui est composée de lactate de sodium, qui est composée de l'eau. Évidemment, et ainsi que le AHA, l'acide mandélique, les acides de fruits, ou bien AHA ou BHA, si vous voulez, l'acide mandélique, l'acide glycolique, voilà, c'est ce que je cherchais, l'acide glycolique. Ils sont à côté, voilà. Dès que vous avez fini, votre phase, oui, je répète, votre phase huile, allez, huile, n'importe quelle huile, des beurre de cacao,
beurre de mangue, beurre de karité. Tout dépend de ce que vous voulez apporter. Tout dépend de ce que vous voulez apporter. Maintenant, vous ajoutez l'émulsifiant, vous avez l'alcool cétylé. Maintenant, dans le cas où vous aimeriez mettre un produit éclaircissant, mettre un intrant éclaircissant, parce que beaucoup vont soulever ce problème. Dans le cas où vous voulez mettre un intrant éclaircissant, rassurez-vous de maîtriser la solubilité de votre intrant éclaircissant. Si vous voulez, par exemple, mettre de l'acide kojique, vous mettez l'acide kojique, vous pouvez mettre l'acide kojique, que ce soit la phase O, que ce soit la phase 1, parce qu'elle est soluble dans les deux. Dans les deux. Mettez la phase O. Dès qu'on l'a chauffée, elle est soluble dans les deux, parce que les deux seront chauffés. Si vous voulez mettre, je ne sais pas, le glutathione, vous pouvez la mettre à la phase O, par exemple. Vous pouvez la mettre à la phase O. Donc, tout dépend de la solubilité de votre intrant. Que ce soit l'alpha-butin, que ce soit le CPY, tout ce que vous voulez mettre, tout dépend de la solubilité. S'il est soluble dans de l'eau, vous le mettez dans de l'eau, dans la phase O. S'il est soluble dans de l'huile, vous le mettez dans la phase huile. Si vous avez maintenant un actif si vous avez un actif qui n'est pas à l'aise avec la chaleur, comme par exemple l'allantoïne, par exemple, ou bien l'acide benzoïque, tout simplement, vous prenez cet intrant, vous le mettez à la phase de refroidissement. C'est comme ça, c'est une affaire de logique. Et c'est très simple, c'est une affaire de logique. Il faut juste comprendre, il faut juste maîtriser. C'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants de maîtriser les intrants. Maîtriser les intrants, leur composition, leurs effets, leur adaptabilité aux solutions, etc. C'est que vous maîtrisez ça, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Troisièmement, c'est la phase de refroidissement. La phase de refroidissement est composée de la poudre d'abricot, votre poudre d'abricot, ou bien votre son de blé, votre son de riz, ou tout simplement votre mille, votre poudre de café moulu, etc. Donc, vous le mettez à la phase de refroidissement. Ça, la phase huile est en train de chauffer, que vous devez mélanger, ces solutions-là, c'est-à-dire l'émulsifiant, le beurre, les beurres, l'émulsifiant, les huiles et l'épaississant, l'alcool cétylique. Maintenant, vous pouvez utiliser un autre épaississant. Vous pouvez utiliser d'autres épaississants que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais je recommande l'alcool cétylique parce qu'il a un effet tensio. Actif. Vous pouvez être aussi ingénieux en ajoutant peut-être un tensioactif qui n'a qui a, qui a, qui a de qui pour apporter peut-être l'effet moussant, etc. Voilà. Maintenant que vous avez mis votre phase huile au feu, vous faites maintenant votre phase de refroidissement. La phase de refroidissement, c'est vous regroupez les produits qui ne sont pas adaptés à la chaleur, qui n'aiment pas la chaleur. Comme par exemple les conservateurs. Les conservateurs n'aiment pas trop la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on les met à la phase de refroidissement. On les met à la fin. Donc, avant d'entamer la phase de refroidissement, ce que vous faites, c'est quoi? Pendant que votre phase huile et votre phase huile au feu et votre phase eau est refroidie, vous faites descendre votre phase huile qui est déjà bien chaud. Vous avez deux choix. Vous avez deux choix. Soit vous prenez votre phase eau, vous la mettez, vous l'introduisez dans votre phase huile qui est déjà au feu, vous remuez et vous la déposez. Soit vous enlevez votre phase eau, votre phase huile au feu et vous mélangez avec votre phase eau hors foyer. Je répète, vous avez deux choix. Le premier, c'est de prendre pendant que votre phase eau, vous avez mesuré votre phase huile qui est déjà au feu parce que votre phase eau est déjà au repos. À dire une certaine température, sûrement là, il y a une température ambiante ou bien dans les 40-45 degrés. Vous la prenez, votre phase eau, vous la mettez, vous la mélangez et vous remuez ça étant au feu. Vous mettez la solution étant au feu. Soit vous mettez votre phase, vous enlevez votre phase huile, vous mélangez et vous remuez ça hors foyer. La différence entre les deux, c'est quoi? Il n'y a pas trop de différence, mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que lorsque vous prenez la phase eau, vous mélangez au feu, il faut vraiment bien mesurer la température. Vraiment bien mesurer la température. Il n'y a pas trop d'incidence, mais il faut vraiment bien mesurer la température afin que les intrants gardent
a de leur spécificité. Mais si vous avez, par exemple, des intrants naturels que vous avez mis à l'intérieur, ça peut les détériorer. Ça peut un peu les détériorer parce qu'ils sont un peu trop dans une chaleur élevée. Donc, moi, ce que je recommande, généralement, c'est que j'enlève du feu, ou bien j'éteins le feu, je mélange directement et je commence à remuer. Vous commencez à remuer, vous remuez, vous remuez, jusqu'à ce que la température commence à baisser. Vous avez toujours votre thermomètre à côté de vous. Oui, mes compositions, moi, je fais toujours, je travaille toujours avec le thermomètre, toujours le thermomètre. C'est tout à fait normal, vous avez tout le thermomètre à côté. La phase de refroidissement, le refroidissement commence à partir de 50 degrés. Quand 50, 45 degrés, vous êtes déjà dans la phase de refroidissement. Lorsque vous êtes déjà dans cette phase de refroidissement, vous allez remarquer que votre texture, la texture de votre crème est déjà un peu lourde, elle commence légèrement à s'alourdir. Vous passez maintenant à la phase de refroidissement. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde. Vous passez à la phase de refroidissement. Dans la phase de refroidissement, ce que vous ajoutez en premier, vous ajoutez d'abord votre poudre. Vous ajoutez la poudre d'abricot, que ce soit la poudre de son de blé, vous ajoutez le mil, tout ce que vous voulez. Donc, vous ajoutez votre exfoliant naturel. Vous ajoutez votre exfoliant naturel. Maintenant, si vous voulez ajouter, je vous ai dit, si vous voulez ajouter un actif qui n'est pas à l'aise avec la chaleur, vous l'ajoutez à cette phase-là, à partir de 45 degrés, voire 50 degrés. Mais ça dépend de la température qu'il fait aussi chez vous. Si vous êtes en hiver, par exemple, la température va baisser très, très vite. La température va baisser très, très vite. Donc, vous devez mesurer, faire en sorte que ce ne soit pas trop épais, le lait ne soit pas, la crème, le gommage ne soit pas trop épais lorsque vous allez le fabriquer. Donc, vous ajoutez à la phase de refroidissement, vous mettez votre poudre d'abricot, vous remuez très bien, avec un mixeur plongeant ou bien un mixeur, une batteuse, vous remuez très bien ou bien une spatule. Il n'y a pas de limite avec ce que vous voulez. Tant que ça remue bien ou bien avec un fouet, tant que ça remue bien, c'est super. Puis, vous ajoutez, vous mettez un mélange, vous ajoutez votre conservateur, vous mettez votre conservateur. Le conseil que je donne, c'est mettre le conservateur dans les 50, 45 à 50 degrés parce que tout dépend du conservateur. Que vous allez mettre, si vous voulez mettre le Cosgar, vous mettez la vitamine E, vous mettez du benzoate de sodium. Moi, je kiffe le benzoate de sodium. Ça, vous mettez votre conservateur et puis à la fin, vous mettez votre parfum ou bien votre huile essentielle. Parfum ou huile essentielle, là, vous remuez très, très bien. Là, vous remuez très, très bien et le tour est joué. Votre gommage est votre gommage est propre et votre gommage est prêt. Vous laissez reposer notamment 24 heures pour observer l'évolution, pour voir si vous avez bien fabriqué votre gommage pour le corps. Donc voilà comment on fabrique le gommage. C'est pas sorcier, c'est très simple. Vous avez déjà la formule. Je vous ai laissé la formule ici. Je vais l'afficher. Voilà. Vous avez déjà la formule. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Karine, donc il n'y a que le Cameroun ici aujourd'hui. Ah, le Togo, il y a Jocelyne. OK. Salut, Jocelyne. Puis le Togo. OK, super. Donc, vous avez tout sur le gommage. J'ai tenu ma promesse parce que j'avais promis il y a cela quelques mois que je devais donner la formule. Bien, je devais vous montrer comment fabriquer votre gommage. C'est vrai que je voulais vous montrer ça de façon plus technique en appliquant moi-même. Mais bon, la disposition ne me permettait pas de le faire et ça devait rendre le live tellement long parce qu'il fallait respecter les phases, attendre tout ça, ça devait être compliqué. Donc, mais c'est très facile. Avec les explications que j'ai données, vous pouvez le faire. Et déjà, si vous avez des compétences en cosmétique ou bien en fabrication, c'est très, très simple. Je pense que tous mes élèves, en voyant ça, peuvent le faire. Ils le font même déjà. Donc, c'est une aubaine pour vous. Vous n'avez plus besoin d'acheter du gommage ailleurs. C'est comme ça qu'on fait le gommage. Maintenant, vous ajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre
de je sais pas quoi, de l'huile de ce que vous voulez, vous mettez. Si vous voulez mettre de l'allantoïne, vous mettez. Si vous voulez mettre du collagène, vous mettez. L'allantoïne, le collagène, ce sont des intrants qui ne supportent pas la chaleur. Donc, vous les mettez à la phase de refroidissement. Donc, s'il y a des questions, je suis ouvert. Nous allons bientôt me atteindre les 1 heure que nous avons prévues pour cette masterclass. Donc, s'il y a des questions, vous les posez, je les répondrai. Donc, consultez très bien ces formules. Consultez très bien ces formules. Voilà. Je vous ai annoncé, je vous ai déjà dit aussi aujourd'hui que je vais annoncer. J'ai une surprise pour vous. Donc, si vous n'avez pas de questions. Passez les questions. Vous n'avez pas de questions. On va passer à la surprise. Ok, déjà, je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui ont pris la peine de suivre ce live, cette masterclass. Déjà, merci. Pour tous les chrétiens, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Pour tous les musulmans, je vous souhaite une bonne préparation du Ramadan qui est bientôt. J'espère que je serai invité pour manger, pour partager vos repas, pour ceux qui pourront m'inviter. Ça avec plaisir. Même si on envoie le repas par DHL, il n'y a pas de problème. Je vais réceptionner. OK, Karine du Cameroun. OK. Donc, vous savez tout à présent pour. Vous savez à présent comment fabriquer votre gommage. Nous avons vu les différentes formes, les différentes formes de gommage. Nous avons vu les différents types de gommage. Nous avons vu comment fabriquer le gommage. Je crois qu'à la fin de cette masterclass, vous êtes apte à fabriquer le gommage. Je ne vous ai rien caché. Vous êtes tout donné. Vous êtes tout donné maintenant à vous de l'appliquer. À vous de l'appliquer et de l'utiliser. Faire des tests, faire des essais, etc., etc. Bon, je disais, j'ai une offre exceptionnelle pour tous ceux qui n'ont pas déjà acheté ma formation Elite Cosmétique. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui connaissent ma formation Elite Cosmétique qui est en promotion depuis déjà quelques semaines. Vraiment, je vais fermer les portes très bientôt. Après les fêtes, là, je pense que je vais fermer. Après les fêtes de Ramadan et les fêtes de Pâques, je vais fermer la forme de la promotion. Je vais la remettre au prix initial. D'abord, la formation, vous devez savoir, la formation, c'est 140 000 francs. C'est 140 000 francs pour vous former. Vous avez 7 modules vraiment, vraiment, vraiment travaillés. Je vous dis, j'ai passé 2 ans pour sortir cette formation. Ce n'est pas donné. 2 ans, vraiment, c'est sans me vanter, le contenu est vraiment apuré. C'est tellement riche, c'est tellement riche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui le suivent. Je ne suis pas trop, je n'expose pas trop les témoignages et tout ça, parce que moi, l'idée, c'est d'apporter du réel contenu. Mais ceux qui veulent, généralement, que, comme il y a toujours des sceptiques, il y a toujours des gens qui n'y croient pas, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui se font arnaquer sur Internet, etc., qui achètent des formations, mais n'ont aucun contenu. Dernièrement, même, j'ai juste comme ça pour voir, je suis entré dans un groupe Facebook. On m'a invité dans un groupe Facebook. La personne proposait une formation à 5000 francs. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai que j'envoie tout le temps les formations 5000, 2000, tout ça. Et aucun qualifie que la formation que je vends à 140 000 francs, c'est vraiment cher. Si ma formation est chère, vraiment, c'est que c'est pas pour vous.
Ce n'est pas pour vous, tout simplement. Ce n'est pas pour vous, c'est ce que je dis souvent. Tout le monde, personne n'est obligé d'acheter. Moi, même si je forme 10 personnes, même si je forme 2 personnes, l'essentiel, c'est que ces personnes-là puissent aller très, 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 très loin avec ce que je donne comme contenu. Donc, je disais, je suis entré dans un groupe, on m'a invité dans un groupe, je ne sais pas par quelle chimie, dans un groupe Facebook dans lequel je suis entré. Et j'ai vu la formation en cosmétique, vraiment, j'ai vu 5 000, je me suis dit, waouh, quelqu'un qui maîtrise la cosmétique, quelqu'un qui fournit tout ce qu'il faut. Et c'était la formation, une formation sur la cosmétique en général, c'était pas spécifique, peut-être déjà savon, peut-être lait, thermétis, les choses qu'on voit partout là. Et j'ai vu à 5 000, j'ai acheté par curiosité, mais j'étais stupéfait du contenu. Le contenu était vraiment... Je ne suis pas en train de dénigrer ce que les gens font, mais c'est vraiment, c'est pas terrible. On vous envoie les choses sur WhatsApp. Oui, prenez quelques vidéos là, pap, on vous abandonne, basta. Parce que j'ai acheté finalement, pourquoi? Parce que j'avais tellement de gens qui venaient vers moi pour acheter la formation, mais avaient peur, me disent, ou bien ceux qui ont eu acheté, même, ils disent, mais vraiment, coach, avec ce que j'ai eu à l'époque là, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas connu depuis, vraiment. Vraiment, ce que vous proposez vraiment est génial. Vraiment, c'est pas comme on n'est même pas très connu et tout ça. Je cherche pas à être connu. Je cherche à donner, à apporter de la valeur. Je cherche à donner le maximum de moi, à permettre aux gens vraiment de sortir de ce joug, sortir de ces vraiment malencontreuses personnes. Donc, j'ai donc acheté cette formation. J'étais stupéfait du contenu qu'il y avait. Donc, c'était vraiment un contenu, vraiment. Il n'y avait rien de concret, rien, rien. Les vidéos même ne sont pas travaillées, rien, rien expliqué normalement. Quelqu'un fait. Bref, vraiment, je ne suis pas là pour parler de ça. C'est juste parce que ça m'écœure. Mais que bon, beaucoup de gens, quand tu dis la formation, c'est 140 000 francs, les gens qui waouh, c'est cher, c'est là. Bon, nous sommes en Afrique, c'est vrai. Mais il y a des gens qui achètent. Nous sommes en Afrique, c'est vrai. Donc, la promotion actuellement, la formation est à 35 000 francs. Formation à 35 000 francs, je l'ai vraiment réduit. Ça fait quelques semaines que, vous savez, ça fait quelques semaines que la formation est en promotion. C'est vrai que j'avais arrêté un moment, j'arrête un moment parce que les gens recommandent toujours, demandent toujours, non, vraiment, je veux la promotion, tout ça, le maximum. Mais je ne veux pas faire comme ça toute ma vie. Je ne veux pas faire comme ça toute ma vie. Donc, après ces fêtes-ci, il n'y aura plus de promotion. Donc, après la fête du Ramadan, là, il n'y aura plus de promotion. Donc, si vous voulez acquérir des connaissances sur tout en cosmétique, tout, je dis bien tout en cosmétique, parce que c'est une formation de 7 modules qui vous apprend comment vendre, comment fabriquer les produits, qui vous apprend la maîtrise des intrants, etc. Tout, vraiment. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir le lien en description de ma chaîne YouTube, quelle que soit la vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir le lien en description de la formation payante. Maintenant, si vous voulez vous acclimater avec la cosmétique, j'ai aussi une formation gratuite que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube sans aucun souci. Vous la suivez très très bien, ça peut vous aider à pouvoir vous lancer dans la cosmétique, ce sera très bien. Mais si vous voulez vous démarquer des autres, parce que la cosmétique aujourd'hui c'est un secteur vraiment en plein boom, je suis encore malheureux de voir certaines personnes qui sont dans la capacité de fabriquer leurs produits, mais qui sont obligées encore de se retourner vers les gens pour qu'ils puissent fabriquer les produits. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que moi-même, je le fais. Moi-même, je le fabrique. Je fabrique pour les entreprises, je fabrique pour les personnes qui veulent tenir leur marque, qui n'ont pas le temps, vraiment les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de fabriquer ou quoi que ce soit. Mais si vous avez le temps de fabriquer, pourquoi acheter? Vous gagnez plus à avoir ces connaissances-là et acheter au lieu d'acheter les services des gens. C'est pour ça que beaucoup de formateurs ne donnent pas la formation, ne donnent pas les formations, ne donnent pas vraiment de contenu, n'aident pas vraiment, parce qu'ils veulent toujours que les gens viennent vers eux pour pouvoir fabriquer et bloquer la connaissance. Non, mon but n'est pas de bloquer la connaissance, c'est s'ouvrir. Parce qu'en partageant, c'est l'Afrique qui gagne. Et l'un de mes rêves, c'est que l'Afrique puisse s'émerger, que nous puissions fabriquer nos propres produits ici au pays, des produits de bonne qualité, pas les mélanges de savon, bien les mélanges de composition de lait que l'on voit partout. Nous puissions fabriquer nos propres produits et les utiliser avec confiance. Donc, voilà la formation à 35 000 francs. Dès la fin du Ramadan, la fête du Ramadan, normalement, je ne sais pas si je pourrais
Dès la fin du Ramadan, vous ne pourrez plus bénéficier de cette promotion. Elle reviendra à 142 000 francs. S'il vous plaît, est-ce que les produits sont disponibles directement sur le marché? De quel produit tu parles? Jocelyne, je ne sais pas de quel produit tu parles. Tu parles des intrants? Quand tu dis est-ce que ces produits, je suppose que tu parles des intrants. Si les intrants sont disponibles sur le marché, oui, les intrants sont disponibles. Il y en a. Il faut juste avoir la bonne information. Il y en a. Il y en a. C'est pour ça que je vous demande de vous former. Formez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vous former chez moi. Vous pouvez vous former ailleurs si vous voulez. Mais formez-vous. Vous devez avoir la bonne information. Les intrants sont disponibles. On en vend partout. On en vend partout, que ce soit dans tous les pays. Il y a certaines personnes qui ont ce frein-là, notamment les étudiants d'Haïti, les gens qui me suivent en Haïti, au Bénin. Au Bénin, il y en a même, il y a bien les matières premières au Bénin. Il y a quoi là? Le Burkina, le Mali, le Sénégal. Non, il n'y a pas les matières premières, il n'y a pas les matières. Je leur ai prouvé qu'il y a les matières premières. Il y a les matières premières. Et parmi les membres de ma formation, je fais en sorte que vous soyez dans un groupe WhatsApp, dans un groupe WhatsApp, bientôt même je vais virer sur Telegram parce qu'ils sont déjà, ils sont là très nombreux là-bas. Avoir plusieurs groupes WhatsApp, c'est pas bien. Donc, dans un groupe WhatsApp dans lequel je les mets tous afin qu'ils soient dans l'écosystème de la communauté, afin qu'ils puissent retrouver les gens qui sont dans le même pays qu'eux. Donc, s'ils ont un souci, l'autre peut dire, bon, oui, je n'ai pas pu trouver les matières premières à tel endroit. Est-ce que vous avez un numéro un numéro que vous pouvez me donner pour pouvoir avoir les matières premières là-bas? On se charge tout. C'est vraiment de l'inédit. C'est de l'inédit parce que la majorité des formateurs en cosmétique ne font pas ça. Dès qu'ils ont donné la formation, ils tournent le dos. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes étudiants. Et après, j'ai fait des recherches, j'ai constaté que c'est totalement vrai. Moi, je cache rien, je donne tout, mais pour donner encore plus, il faudrait que vous fassiez aussi le minimum d'efforts. Donc, ma formation, c'est 35 000 francs actuellement, c'est le prix promotionnel. Mes tout premiers étudiants, quand ils voient ce prix, ils sont en train de crier parce qu'ils savent qu'ils ont acheté ça à l'époque à 140 000 francs, 140 000 francs et bien plus. Voilà, je crois que nous avons clôturé. Donc, Jocelyne, tu peux trouver tes matières premières au niveau de. Tu peux trouver tes matières premières, quel que soit ton pays. Quel que soit ton pays, tu peux trouver tes matières premières. Il suffit juste d'avoir la bonne information. Si tu es au Cameroun, parce que j'ai vu depuis le Cameroun, tu es au Cameroun, il y a ça. Douala Yaoundé, tu peux trouver les matières premières. Douala Yaoundé, tu peux trouver les matières premières. Oui, salut Néa. Salut, tu viens vraiment tard. Je viens vraiment tard parce que nous sommes en train de clôturer le live. Si vous avez des questions, vous les posez tout de suite. Je répondrai si vous avez des questions. En 5 minutes, 5 minutes après, on clôture. Minutes après, on clôture le live. Vraiment, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. J'espère que les autres vont bénéficier. Je vais partager ce like. Je vais mettre cette vidéo. Vous aurez cette vidéo. Pour ceux qui sont venus en retard, vous aurez cette vidéo sur YouTube. Vous irez juste sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous aurez le replay. Vous pouvez suivre ça en replay sans aucun souci. Donc, s'il n'y a plus de questions, 5 minutes au chrono. S'il n'y a plus de questions, on passe à la suite. Donc, vous avez la formule tout haut, commentaire, vous allez voir, vous voyez la formule, vous avez la formule de votre gommage. Nous avons vu les différents types de gommage, etc. Je crois que j'espère que vous avez été édifié, j'espère que vous avez suivi, vous avez très bien suivi le live et que je vous ai apporté de la valeur aujourd'hui. Vous n'aurez plus besoin d'acheter les gommages. Vous pourrez vous-même fabriquer vos gommages. Vous avez les matières premières, quel que soit votre pays. Les membres de ma formation, quel que soit le pays, ils ont les matières premières. Ils peuvent venir témoigner ici, quel que soit le pays, ils ont les matières premières.
ils ont une matière première, quel que soit le pays. La matière première n'est pas une limite. Ce n'est pas une limite. Vous n'avez pas besoin de connaître la matière première pour faire l'huile de papaye, par exemple. Ce n'est pas une limite. L'huile de papaye peut vous faire gagner beaucoup d'argent dans la cosmétique. Vous n'avez pas besoin de faire une matière. Vous n'avez pas besoin de matière première pour faire des huiles essentielles. Vous n'avez pas besoin. Pourtant, c'est très rentable. Vous n'avez pas besoin de matière première. Vous pouvez en trouver. Vous pouvez trouver des fruits n'importe où. Si vous voulez faire par exemple l'huile essentielle d'orange, il y a les oranges dans tous les pays. Si vous voulez faire l'huile de papaye, il y a le papaye dans tout le pays. Donc, il n'y a pas de limite. Arrêtez de vous fixer les limites. Est-ce qu'il y a les matières? Est-ce qu'il... Ceux qui le font ne sont pas des magiciens. C'est parce qu'ils ont cherché. Ce ne sont pas des magiciens. Moi, souvent, les gens qui viennent, je suis souvent des gens me contacter, je lis souvent des mails, qui m'envoient des gens qui m'envoient des mails, me disent, oui, monsieur, bonjour, je veux bien me former, mais je suis en tel pays. Je ne sais pas si je pourrais parce qu'il n'y a pas les matières premières. Donc, vous mettez à la barrière. Il y a la barrière parce que pour vous, vous dites que non. Ce n'est pas parce que vous vivez quelque part que vous avez toutes les informations. Non. Vous avez les matières premières. Le monde aujourd'hui est ouvert. Le monde est tellement ouvert. C'est un village. Vous pouvez, même si vous êtes au fin fond de l'Antarctique, vous pouvez avoir les matières premières. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite bon week-end de Pâques. Et pour ceux qui ne préparent le Ramadan, un bon week-end de Ramadan. Une bonne préparation de Ramadan. Vraiment, la paix sur vous. Et je vous invite... C'est la dernière chance. Après ces fêtes du Ramadan et de Pâques, il n'y aura plus de promotion. La formation ne sera plus en promotion. Je répète, la formation ne sera plus en promotion. Ceux qui ont eu à souscrire, de près de 300 étudiants qui ont réussi à souscrire mais jusqu'ici, la formation, c'est tant mieux pour eux. Le reste là, vraiment, la promotion sera fermée. La promotion sera fermée, donc je vous exhorte à vous lancer massivement, ou bien tout simplement aller sur ma page, sur cette chaîne, toutes les vidéos qui sont diffusées, vous verrez le lien d'accès à la formation. Vous avez plusieurs moyens de paiement, vous pouvez payer par carte bancaire, vous pouvez payer par transfert d'argent, vous pouvez payer par mobile money, tout dépend de votre pays. Même comme je privilégie le paiement par carte bancaire, parce que là, c'est mieux en fait. Mais je n'ai pas de restriction, quel que soit votre pays. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Bonne soirée à vous et surtout bon week-end. À très bientôt.